Votre fils est un jeune homme extraordinaire. Il a des facultés cognitives exceptionnelles. Il a plus en commun avec Einstein ou Mozart qu'avec nous. J'aimerais travailler avec lui. L'aider à développer les compétences nécessaires pour qu'il vive pleinement sa vie. Non, n'y comptez pas. Le monde n'est pas un milieu amical. Et c'est dans le monde qu'il doit apprendre à vivre. Qu'est-ce qui vous a amené au conseil financier? Mon père était comptable. Il avait toute la panoplie. Les stylos dans le protège-poche, ringard. J'ai un protège-poche. Celui-là est joli. Vous aimez les puzzles? Dites-moi ce que vous voyez. Elle a été prise il y a 3 ans par un agent infiltré. On retrouve cet homme chaque fois. Il a été signalé à Téhéran, Tel Aviv et Naples. Ce type risque sa vie à démêler la comptabilité des pires voyous de la planète. Cartel de drogue, marchand d'armes, blanchisseur d'argent, assassin. Qui réchappe à ce genre de clientèle? Imaginez les secrets qu'il détient. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qui es-tu? Tu es différent. Tôt ou tard, la différence fait peur. Il m'est difficile de fréquenter d'autres personnes, même quand je le voudrais. Il y a des gens qui te cherchent. Traiter avec des gens qui ont des secrets trop encombrants peut te coûter la vie. Si tu prends cette voie, tu peux plus faire marche arrière. J'ai parfois des clients un peu dangereux. Pourquoi tes clients te suivraient? Tu es comptable! Il faut prévenir la police. Elle ne pourra pas te protéger. Alors qui est-ce? Le comptable. Genre expert comptable? Pas exactement.